Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... Quoi? C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Il marche pas. Mince, j'ai oublié de lui donner ça. Papa ? Tu
elle est là. Pour des émeutes sont en fait liées à la pandémie. Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. C'est près d'ici. Ouais, monsieur tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'est pas ici. C'était quoi? Oh non. Papa? C'est son téléphone. Où est-ce qu'il est? Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens! Non! Allez! Allez! Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez! Allez! Où t'es passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tire en autre. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? On va dire ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 60-61. C'est fini. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée. Donne-moi sa maison. C'est arrivé. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoirée sera retirée. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, pour moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils
Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre va se faire. Mais tu vas. Papa!
Hé ! On a besoin d'aide. Stop ! S'il vous plaît ! C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok ?
Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Ça va vous marquer ? On m'a dit qu'il les avait alignés dans nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout, reste cool. C'est bon. Circulez ! Journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok ? Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur ? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer ? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Faites attention à vous là-bas. Ah, c'est une peste. Il devrait...
Faudrait vraiment faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Que la lumière soit. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Prêt ? Bien, madame. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Pas d'échelle. Jette un coup d'œil dans le fond. Je l'ai. Super, rapporte-la ici. Honneur aux dames. Dame ? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Thank you.
Faut descendre par là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit bien le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais! Le plafond est un vrai gruyère, attention! Par ici. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque a pété. Ne me laissez pas buter. Pitié! Qu'est-ce que tu veux faire? En route. On les a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Ah, enfin, un peu d'air. S'il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. La
planche est tombée. Tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Hé, hey, tu peux me passer cette planche ? Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Et voilà. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité ? On est presque arrivé. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ferme-la. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Hé, hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paris, pas maintenant, Terence. Non, c'est bon, j'ai pas ma carte. Maintenant, t'as compris? Ok, je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Allez, Captain! Allez, Captain! Allez, Captain!
merde, putain. Mais ta gueule. Défonce-le. Où est-ce que tu vas? Ta garde, putain. Allez. Oh, allez. Oh, mets-moi que c'est sa mère. Bâtez le cul. Vas-y. Allez, défonce-le. Mets-lui dans la tronche. Cogne, allez. C'est qui? Debout. Debout. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. On passe. Vous on vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez immédiatement. T'es prêt? Je te couvre. Ouais. Élimine-les. Je vais vous faire la peau. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Merde, on peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Ok, bien. Donne-moi ta main. Ici, Joël. Encore des gars de Robert. Comment tu sais que je les vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde d'ici. Par Jordan Street, et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Des lucioles? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ville. Ils leur font dessus sans ménagement. Du travail de pro. Allez, on fouille le coin.
consolider les caisses dans l'entrepôt possible. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui cette nuit? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien, on verra. T'as entendu ça? Je crois que ça venait de par là. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Bien, les quais sont par là. On y va.
On va se calmer. Bureau là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Reculez, reculez, bordel ! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Il va ! Robert ! Il s'est réfugié ici. On a failli l'avoir. Salut, Robert. Tess, Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop. Stop, stop. Putain, merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah ! Enfoiré ! Qui a nos armes ?
C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Tant pis.
pas de bruit. Ok. Soyez prudents. Ils sont en force aujourd'hui. Plus très loin. Allez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Et c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une bonne idée. Pas avec lui. Tu les connais d'où?
J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez,